Salut, tout le monde. On est reparti avec ce mantelet. On va le finir ce matin. Hey Tim. Good morning. Thank you.
that some kind of siège balista? No, it's a it's a mantle, which is something to hide behind, to be protected from projectile. And this thing is just a device to have some kind of. This is not a projectile. This is staying there. So it just allow this huge log spear things to get out very quickly if you need to destroy something on your way. It's kind of a baby. Don't play in the same time. But yeah, it's a siege machine anyway.
So how are you doing anyway? How is life? Are you on holidays or something? Or? What's the plan for this summer? Did you see that you have your 2 months badge beside your name? I managed to understand how it works and put all the badges I have, almost all the badges I made. Too loud. The music was too loud. Yeah, I was saying that I managed to put all the badges I did draw for the subs. And you have your 2 months badge beside your name now. Very hard to see the difference, so we really need to click on it to see it properly, but it's there. But the bad thing is, I'm not the one who decide when the badge change. It's 1, 2, and then 3 or 4, and then 6 months, and then a year, and then a year and a half, and then 2 years. I was planning to do that every 2 months, but I don't think I'm the one to choose. Yeah, because last time I managed to put just one, and they were telling me that I have to wait July to unblock the rest, and they were just talking about the last one, which is after 2 years.
but I didn't realize there was something to unscroll to get access to what happened before the 2 years. So I managed to do that, clean up all my badges and put them there. But it's good because I thought I have badges for 2 years, but with what the time frame is over there, I have way enough badges for like the next 5 years. I think I have a little bit of time before thinking about what will be the next badges. And the funny part that my son Aaron don't find that funny is that after the last very precious one, things starting to get, you know, a little bit crazy, and the very last one is a pink bow on the tusk. And I was like, a pink bow? What are you talking about? And I said, come on, it's fun. Yeah, it's not fun. It looks bad. Ah, come on. Yeah, I mean, we can add a lot of things. Or maybe I can use the pink bow for something else. Maybe for VIPs and stuff like that, maybe. If I can change that as well. Because it could be a cool thing, you know, VIPs, so they have like a nice bow on the tusks. I did look for an idea where we can see what's going on when it's very small. It's still not very visible, all the change, you know, but at least when you click on it, you can see better.
Hey Mirko. Comment ça va? Je suis en train de faire ma dernière putain de carte en noir et blanc. Il a fallu un an complet pour faire ces putains de cartes. Ah, cool. Ça va faire du bien un peu de vacances. Moi, ce sera plutôt fin août. Fin juillet. Je vais laisser les gamins chez ma mère. On rentre juste en couple. Ça va faire du bien. Non, pas pour Maître Gary, pour les trois jeux de cartes qu'on a prévu de faire pour le Libé des Batailles, pour le jeu complet. Il y a un paquet de cartes de l'arsenal commun, il y a un paquet de cartes avec des armes magiques et un paquet de cartes avec des armes technologiques. Une trentaine de cartes à chaque fois dans le paquet. Donc ça va t'aider à... En fait, tu as toutes les caractéristiques de l'arme sur la carte, en fait. Donc, ben, ça évite de surcharger ta feuille d'armée avec des infos, alors que tu as les cartes avec toi, tu vois ce que je veux dire. C'est des petites fiches, en fait. Donc, comme ça, quand tu construis ton armée, déjà, c'est aussi plus facile parce que tu as le truc avec toi et... Tu choisis lesquels tu veux, tu additionnes les coups et puis voilà, basta. Ah non, Maître Gary, ça se finit jamais. Ça se finit jamais, tu as toujours une extension, tu as toujours un autre jeu, tu as toujours... Ça va être un travail sans fin, Maître Gary. Je vais bosser pour Maître Gary. Forever. Payé ou non payé, après c'est moi, c'est ma compagnie aussi, donc c'est à moi de voir si j'ai besoin de faire un truc qui n'était pas forcément commandé ou pas. Toi, l'année prochaine par exemple, le budget dessin n'est pas prévu parce qu'on va plutôt se concentrer sur la diffusion du jeu, la présentation, les conventions, les trucs comme ça, donc... Il n'y a pas de budget dessin pour l'année prochaine, par exemple. Mais ça n'empêche pas que moi, je vais dessiner quand même. Après, c'est moi qui vois ce que j'ai envie de faire. Mais... Non, j'ai toujours des idées de ce que je pourrais dessiner pour améliorer le truc. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu hâte de finir la commande, la vraie commande. Parce que ça a été commandé. Et les trois prochains... Quatre prochains dessins, pareil, commandés. Donc, quatre prochains dessins, c'est le dos de cette carte. Le dos des cartes de l'arsenal commun, des objets technologiques. Et après, j'ai trois autres races à présenter, que j'ai pas encore présentées. Donc, du coup, voilà, quatre personnages en couleur devant un fond en noir et blanc, là, comme on avait un fond gris, comme tu as dans les livres d'histoire. Là. Un héros, un champion, un vétéran et un novice. On a fait ça pour toutes les autres, et puis il reste plus que les sorcières des marées, les ingénieurs et les draken. En première race officielle, Maître Guerrier, il manque juste ces trois-là. Pour que le Libé des Batailles soit complet. Et après, on va... Une fois qu'on aura vraiment le Libé des Batailles tout complet, bien prêt pour une version complète, on se concentrera sur les extensions et les autres jeux. Parce qu'on a un petit jeu de cartes aussi qu'on veut. Toujours dans l'univers Maître Guerrier, mais une autre période de l'histoire. Un truc un peu plus calme où tu cherches des artefacts, des trucs comme ça. Petit jeu de cartes qui va être à mi-chemin entre Talisman, qui est un vieux jeu de plateau, et Magic. Le jeu de cartes Magic. Donc on a quelque chose un petit peu entre les deux.
permet de jouer une période de Maître Guerrier qui, ouais, une période où les héros se font un peu chier et cherchent des artefacts magiques, des quêtes de Graal et des choses comme ça. Le retour en couleur, ça va être bien. Ouais. Ouais, talisman. Bah en fait, l'idée, ça va être, t'as ton jeu de cartes et en fait, la première partie du jeu, tu vas mettre tes cartes terrain sur la table, qui va du coup former le plateau. Et après, du coup, tes figurines vont évoluer sur ce terrain-là, en fait, jusqu'au milieu pour récupérer le. Et après, voilà. Ce qui est bien, c'est que ce jeu-là, déjà, t'as un petit jeu de base qui tient dans un paquet de cartes. Et après, on peut faire des extensions, tu en vois là, et même, c'est à la mode de Warhammer Quest, avoir des choses qui te permettent d'aller à droite, à gauche, au niveau du terrain. On peut, après, voilà, on peut vraiment étendre le truc, parce que comme tout le reste, tous les jeux qu'on va faire, ce sera jamais des jeux qui sont bloqués comme ça, et bim, on ne peut plus y toucher, c'est toujours des jeux qui peuvent évoluer à l'infini. S'amuser autant qu'on a envie, quoi. Donc ça, ce sera un petit jeu de cartes payant pour le coup, parce que la version de base JDB des batailles est gratuite, donc n'importe qui veut essayer le wargame peut essayer. Après, bien sûr, le jeu complet, lui, sera le jeu de règles complet sera payant, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de boulot dedans et beaucoup plus de choses qu'on peut faire. On va y inclure un bestiaire, on va y inclure la magie, on va y inclure pas mal de choses, de l'illustration, des choses comme ça, mais on va déjà laisser tourner la version de base au moins 2 ans pour que les gens puissent commencer déjà à s'immerger dedans et à comprendre un petit peu le fonctionnement. Et parce que même moi qui déjà à quoi 4 parties test, sont trop éloignées les unes des autres à chaque fois, et donc du coup avant c'est une fois que la partie est finie que je me suis remis dedans, quoi, tu vois. Il faudrait genre fasse une autre derrière ou mais c'est assez excitant. Moi on a fait une partie test filmée samedi dernier, donc je sais pas trop quand Sébastien va monter ça et etc, parce qu'il y a un petit peu de boulot de montage apparemment, et puis il veut s'en occuper, donc c'est un petit peu ce qui me fait un peu peur, mais au niveau du délai, je veux dire, je ne doute pas ses capacités à monter la vidéo, mais c'est au niveau du temps, parce qu'il est très occupé. Donc quand c'est que ça va sortir, je ne sais pas, c'est prévu pour cet été, mais c'est pas notre dernière de toute façon. Ouais, on s'est bien éclaté, on a vu ce qui fonctionnait moins, donc on a encore des choses à changer. Pour ça, là, il y a une nouvelle version, une V1.9 qui arrive bientôt. Dès que Sébastien aura fini de corriger tout ça, j'espère avant septembre. Et là, normalement, c'est cette V1.9 qu'on est censé laisser tourner au moins 2 ans pour que les gens jouent, quoi. Les gens essayent. Bon, c'est bien de se focaliser sur le jeu de wargame, etc. Ça nous prend tout notre temps pour l'instant. Mais une fois qu'il est prêt, et que pour l'instant on n'a pas trop grand chose à y toucher en attendant que les joueurs l'essayent, on est censé se focaliser sur ce petit jeu de cartes justement aussi. Et y a un jeu de rôle qui est déjà prêt, mais il faut, enfin c'est que des notes pour l'instant, donc il faut tout illustrer, tout machin. Donc ça aussi, ça va être du boulot. Il y a un jeu à la Donjons et Dragons, un dungeon crawler à faire aussi. Enfin, il y a pas mal de jeux qui sont prévus, donc je sais pas si de mon vivant on aura le temps de faire le tour de tout ça, mais en tout cas, il y a un terrain de jeu assez sympa. Donc c'est pour ça que je te dis. Non, Maître Guerrier, il y aura toujours des trucs à dessiner. Pays ou pas, ça va après dépendre de comment l'argent rentre. Parce que, bon, on va faire des goodies, on va faire. Justement, les cartes que je suis en train de faire sont disponibles à l'achat.
Donc au bout d'un moment, on va y avoir des choses à acheter pour s'investir un petit peu plus dans le jeu. Donc on peut jouer gratos, on peut jouer en dépensant que dalle. Si tu as déjà des figurines, si tu as déjà des D10, tu ne dépenses pas un copec pour essayer de jouer. Après, si le jeu te plaît et que tu as envie de t'investir un peu plus, bah oui, effectivement, après tu peux acheter des trucs maître guerrier, quoi. Bah oui, non, les terrains du jeu de cartes, c'est jamais le même, non. C'est ça qui est intéressant. Et puis bah tu vas le mettre selon quel personnage tu joues, tu vois. Si c'est un elfe, ce sera plutôt dans ton intérêt de mettre du terrain de forêt, etc. Parce que tu vas évoluer un peu plus rapidement que si t'es un nain, par exemple. Et si t'es un nain, il vaut mieux mettre des terrains un peu plus... Tu vois le genre. Et on va utiliser pas mal de ces cartes qui ont déjà été faites. C'est pour ça que ce petit jeu va être un peu plus rapide à sortir, parce que il y a des scènes action un petit peu, les cartes d'action, les choses qui se passent. Ça va être les cartes en noir et blanc que j'ai fait, qui vont être un petit peu réutilisées d'une autre manière par rapport à... Tu vois, j'ai des cartes où on peut très bien utiliser certaines cartes pour des choses différentes. Pour des attaques d'or, pour une carte de défense, enfin tu vois, des trucs qui colleront bien pour ce qu'on a besoin. Donc toutes les cartes d'action vont être en noir et blanc, et toutes les cartes terrain seront en couleur. Il y aura juste les cartes terrain et les cartes de personnages aussi qui aura besoin de redessiner, quoi. Donc, si ça plaît, oui, je pense, si ça plaît, les gens vont vouloir, parce que Sébastien me disait, il les connaît, les wargamers, hein. Ils sont un petit peu longs à s'y mettre, parce que ben voilà, il y a beaucoup de jeux et ils sont toujours un petit peu sceptiques, et ils sont surtout formatés dans un moule Games Workshop qui les limite, mais ils sont formatés comme ça, donc du coup ils peuvent pas imaginer qu'on peut faire autrement. Et en fait, dès qu'ils vont réaliser toute la liberté d'action qu'ils vont avoir avec Maître Guerrier, ça peut vite devenir un engouement rapide. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit prêt quand ils vont débouler, quoi. Donc là, c'est pour ça qu'on prépare tout ce qu'on est en train de préparer, pour que d'ici 2 ans, il y ait du matos derrière, quoi. On a 2 ans d'avance, du coup, là. On essaye de faire en sorte qu'on ait toujours un petit peu d'avance pour être prêt à la demande, quoi. Et comme je suis tout seul pour l'instant à illustrer, n'est-ce pas, ça va pas très très vite. C'est plus l'aspect jeu de rôle qui m'intéresse. Les grandes batailles de troupes, c'est pas ma cam. Bah, c'était pas trop ma cam, mais en fin de compte, je m'amuse bien. Parce que t'es pas forcément obligé non plus de le jouer en grande bataille. Tu peux très bien te faire un jeu d'escarmouche, par exemple, avec genre un petit groupe de 10, avec une table où t'as un petit champ de ruines, un objectif, chacun son petit objectif qui est un peu du dans le camp adverse, et tu dois aller sneaker, tu vois, stratégiquement. T'es pas obligé de jouer des grandes batailles, surtout avec le jeu de base. Là, il est vraiment suffisamment simple. C'est vraiment la version simple pour pouvoir faire ce genre de choses, justement. Donc ça va se jouer de la même façon si tu joues des mecs en individuel en train d'évoluer sur une table, ou si tu joues une grande armée où tu es obligé de compter. Voilà, le mec, il a ses caractéristiques, tu fais ses caractéristiques fois 20, parce qu'ils sont 20 dans l'unité, quoi. Mais tu peux très bien le faire aussi où le mec, il est tout seul et il a juste ses caractéristiques à lui, tu vois ce que je veux dire. Donc rien ne t'empêche de faire un espèce de...
C'est juste que c'est voilà, c'est en extérieur quoi. Et encore, j'ai envie de dire, rien ne t'empêche aussi de prendre ces règles-là et de les jouer en intérieur. Quoi. Franchement, c'est très modulable et il y a pas de frein quoi. Nous, on va pas dire non. Si ça fonctionne avec les règles, pas vraiment de raison de pas pouvoir le faire. C'est vrai que en ayant moi c'est vrai que je me serrais bien une petite partie où voilà, j'ai une petite équipe là, des arbalétriers ou même des gars avec des flingues à poudre hein, parce que t'as des fusils à poudre noire, donc tu peux très bien t'imaginer un petit Fortnite. Ouais, c'est ça. Tu peux te faire un petit Fortnite médiéval fantastique. Hein. Sur une table. Tu peux le jouer comme ça aussi. Hein. De toute façon, c'est toi qui décides. Tu sais, avant qu'on ait des... Et même quand on aura, avant qu'on ait des scénarios officiels, etc., pour, ça va être les scénarios qui vont faire avancer l'histoire de Maître Guerrier. C'est toi qui écris ton scénario. T'écris ce que tu veux. À partir du moment que ça correspond, enfin que tu suis les règles du jeu. Et même, si tu, même tu vois, le gars qui a un peu l'habitude et qui dit putain, mais cette règle, je trouve ça un peu con, pourquoi on fait pas plutôt comme ça ? Nous on teste, effectivement ça marche mieux, ben écoute, on va faire comme ça, et puis on change. Il n'y a pas de... Tu vois, on réouvre le dialogue avec le joueur en fait. On n'est pas fermé sur les idées des joueurs. Bah, de toute façon, le wargame qu'on est en train de faire, c'est, comme je te disais, c'est pas un truc qui est fixe et planté dans le sol et ça bouge pas, c'est comme ça et puis c'est tout. C'est toujours dans l'état d'esprit de voilà, amusez-vous. Là, il y a une boîte à outils, bricolée. Là, il y a un terrain de jeu, jouez dessus. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Donc, on met en place des choses pour que tu puisses jouer avec tes trucs à toi, quoi. Je veux dire, en partie officielle, même si c'est genre on va organiser à un moment donné, on va commencer l'année prochaine, des parties en club, des tournois en club, pour refaire découvrir le jeu, etc. Mais petit à petit, tous les ans, ça va devenir des tournois officiels, où là, il y a vraiment les scénarios officiels qui vont être joués pour faire avancer l'histoire. Si tu arrives avec une armée où tu as... je sais pas combien de marques de figurines dedans et que ton héros tu l'as fait toi-même avec une putain de customisation à la con et que tu l'as appelé Berzouk Lamouk et que tu as une histoire avec et en plus tu as ton étendard, mais c'est carrément un personnage officiel s'il fait des bons résultats quoi. Jamais on imposera un achat de figurines en particulier. Tu joues ce que tu veux. Et justement, l'idée derrière le truc, c'est qu'au bout d'un moment, toutes les races qui vont être sorties te permettent de jouer tes figurines. Si tu me dis, bah oui, mais moi j'ai des figurines, c'est des hommes grenouilles, ben justement, il y a les fauves, tous les fauves, on est dans la race des fauves, tous les fauves, c'est justement des hybrides. C'est mi-homme, mi-animal. Donc, quels que soient les hybrides que tu veux jouer, tu joues les fauves, quoi. Donc, ça peut être les hommes lézards, ça peut être des hommes rats, pour pas nommer une race propre à Maître Guerrier.
Games Workshop, pardon. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des minotaures, ça peut être... Enfin, tu vois, tous ces hybrides mi-homme, mi-animal, c'est des fauves, de toute façon. Donc déjà, ça regroupe pas mal de choses. Après, tu auras des orques, tu auras des elfes, tu auras... Enfin, au bout d'un moment, tu vas retrouver toutes les races qu'on trouve classiquement dans le médiéval fantastique. Donc du coup, après, il suffit de prendre les figurines que tu as déjà... Regardez la boîte à outils au niveau de la création de ton armée pour que si tu as vraiment envie de jouer ce qu'il a sur le dos, ben ça va te coûter telle ou telle couronne, mais c'est faisable. Tu vois, c'est ça l'idée en fait. L'idée c'est que tu puisses ressortir des figurines que tu jouais plus avec parce que ça vaut plus trop le coup et que tu recommences à t'éclater quoi. Sans prise de tête, parce qu'il y a des choses, voilà, il y a des choses, ça peut aussi se décider en début de partie, quoi. La taille des terrains, tout ça, voilà, on décide en début de partie. T'as envie de sortir une machine de guerre, t'as envie de te faire une machine de guerre, t'as une machine de guerre qui n'existe pas encore, tu nous en parles, avant le tournoi, bien sûr, on te fait les caractéristiques de cette machine, et puis tu la joues, quoi. Il y aura pas de big deal quoi. Et même commencer à parler d'un jeu un peu à la HeroQuest, enfin Warhammer Quest là, où tu mets toi-même les tuiles en fin de compte des donjons, mais en forêt. Ce serait un jeu qui se passe avec des elfes des bois quoi, et au lieu que ça soit des couloirs et des salles en fait, ce serait des allées de forêt etc avec des... Il y a tellement de possibilités que faut juste choisir ce qu'on veut faire. Quoi. Les batailles navales, batailles aériennes, et tout ça peut rester dans le même univers. Quoi. C'est juste que tu joues des périodes différentes. Cool, bah c'est petit à petit, bah voilà, ça devient de plus en plus intéressant, hein, les choses se mettent en place. C'est vrai que d'extérieur, t'as pas l'impression qu'il se passe grand chose. Mais je peux te dire que de l'intérieur, voilà, on a notre quartier général qui est en place, il y a tous les tables de jeu qui sont là-bas, dès qu'on veut faire des tests, on est tout équipé. On a des étagères avec tous les éléments de décor qu'on a besoin. Moi, je vais en rajouter petit à petit. C'est vrai qu'il y a toujours un peu de customisation, mais t'as des compagnies comme GW, pour pas les citer, qui voilà, si t'as pas acheté ce personnage-là et la figurine officielle de ce personnage-là, tu peux pas jouer ce personnage-là, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, quoi. Si t'as pas les moyens de te payer, dépenser déjà, c'était à l'époque, hein, dépenser 45€ pour une petite figurine, et tout ça pourquoi? Parce que c'est un champion.
C'est un peu dommage, quoi. Alors que pour beaucoup plus de plomb, tu peux acheter pour moins cher 4 ou 5 archers de base, quoi. Bah oui, mais ça peut changer. C'est ça qui est rigolo. Tu peux très bien, comme je te disais, te payer avec une marque que t'aimes bien, quelques gars pour jouer en escarmouche, tu vois. Tu trouves un pote qui fait la même chose. Et hop là, pardon. Et puis bah, juste essayer les règles. Je pense qu'à moindre frais, il y a moyen de s'amuser. T'as pas besoin d'une armée complète. Puis bah, petit à petit, si tu vois que tu t'éclates, et bah, tu grossis les rangs. T'auras peut-être un groupe un peu plus important, et puis sans t'en rendre compte, tu vas te dire, mais attends, mais en fait là, j'ai une petite armée en fait là. Ça se joue au nombre de couronnes en fait, hein. L'unité de mesure de monétaire, c'est des couronnes. Donc en fait, voilà, tu joues, allez, on dit 500 couronnes. Donc tu te dis, tiens, j'ai une dizaine de gars, j'ai un petit groupe de 10 là, j'ai 500 couronnes à dépenser. Est-ce que je mets des vétérans? Est-ce que je mets des champions? Combien je mets de champions? Est-ce que je leur mets des armes magiques? Est-ce que tu vois? Donc tu décides un petit peu ce que tu fais avec ta thune. Et le gars, il a autant de thunes que toi, donc vous êtes à thune égale. Mais qu'est-ce qu'il va faire lui avec sa thune? Quel genre de gars il va mettre? Et puis voilà, vous avez un objectif en milieu de table par exemple. Ça peut être cool. Et je te dis, nous on joue avec 1000 points, il y a une unité de 10 de gars avec des armes de base, une unité de 10 avec des archers, une unité de 10 avec des cavaliers. Et la partie dure, une petite heure. Même pas. Une petite heure. Donc tu vois, c'est même pas le genre de truc assez compliqué, super long, où tu te prends la tête, c'est voilà. Parce que comme on t'as le droit de les mettre où tu veux dans ton milieu de terrain à toi, tu peux tout de suite aller au contact, quoi. Tu vois, samedi on a fait les tests. Salut Don. Samedi on a fait les tests. Premier truc à faire, c'est faire le calcul de commandement en fait. Donc on met nos deux boss. On met nos deux boss là en face de l'autre là, et on regarde celui qui a le plus d'action. Donc c'est celui qui a un peu plus de choses qu'il peut faire, quoi. Donc et après on lance un D10. Et donc celui qui a le plus, ben c'est lui qui décide de qui met quoi en premier, quoi, sur la table. Et donc du coup ça commence avec les terrains et aussi avec les unités. Donc il décide, moi je vais mettre mes unités d'abord ou c'est toi qui vas les mettre. Et donc samedi je dis non mais vas-y, donc je gagne le truc pour qui commence, quoi. Et je lui dis non mais vas-y commence. Et donc il fout ses archers, il avait 10 archers, quoi, à 10 cm du milieu de la table, quoi, pour tout de suite être prêt à me tirer dessus, parce qu'il avait une portée de 50 cm je crois avec ses arcs. Et donc moi j'attends un peu, je mets une autre unité ailleurs, une unité à pied, j'aime un peu l'opposé. Et là il met ses cavaliers à portée de mes gars à pied là. Et donc moi j'ai mis mes cavaliers devant ses archers quasiment. Donc moi j'avais 20 cm de course pour atteindre les archers. Donc forcément, quand on a commencé la partie, t'as 20 cavaliers qui déboulent en armure demi-lourde sur des archers. J'ai pulvérisé ces archers en passant directement. Il n'y en a pas un seul qui a survécu à la première attaque. Enfin, tu vois. Donc, bon, c'était prévisible, hein, je suis un orc. Voilà. Après, il y a eu des choses et tout. Et je me suis fait enfler à la fin. Mais
ça avait démarré, ça m'avait bien plu. Alors j'avais vu un PS avec des figurines où on pouvait changer facilement avec des aimants les armes des persos. Ouais bah oui, on peut faire ça aussi. On peut faire ça ou enfin je sais que dans on est en train de voir ça, mais je suis plutôt tendance à vouloir dire parce qu'il y a beaucoup de jeux où tu as ce que la figurine a sur elle quoi. Donc moi je trouve ça un petit peu dommage de recostumiser à chaque fois les figurines. Donc voilà, j'ai envie de dire même si ta figurine elle a je sais pas moi une arme à deux mains. Genre ils ont tous des hallebardes et puis que tu veux les jouer tu veux jouer une unité avec des armes de base. Ou alors ils ont des boucliers et t'as envie de jouer sans bouclier. Il y a juste à dire voilà, mes persos, voilà, ils ont tel truc sur eux. Ça correspond pas forcément. Bon évidemment, il faut quand même que les archers ressemblent à des archers, mais c'est pas obligé que ça corresponde exactement. Après, il y a aussi moyen de mettre juste une petite boule de blue tag pour tenir le bouclier, si tu veux avec sans bouclier. Hein. Tu vois, moi, ceux que j'ai fabriqués pour nos vidéos, ils n'ont pas de bouclier. Mais si j'ai envie d'en mettre, j'ai juste à mettre une petite boule de blue tag derrière le bouclier, je l'écrase contre le bras et puis ça tient hein, le temps de la partie. Parce que les aimants et tout, c'est compliqué. Hein. Tu vas rajouter des aimants, c'est compliqué. How you doing, Eden? Après, c'est sûr que si tu touches un petit peu en bricolage et que tu arrives à foutre des aimants un peu partout, c'est l'idéal, oui, c'est sûr.
Hey, Osefaj. Are you doing? Thank you.
Yeah, doing good too. Really busy with other stuff than drawing. So I'm happy to go back to it this morning. But yeah, still have stuff to do this afternoon. That's gonna provide me to keep drawing. But yeah, that's the end of the school year, and there is a lot of stuff to do before holidays. Happy because this is the last black and white drawing I do for the cards of Master Warriors. So I should be done with this F format that I'm doing for a year now. I'm gonna be able to draw with colors. Yeah. I much prefer drawing with colors. But that was the will of the boss. He wants black and white rule book, black and white cards, old school. So that's what we do. I can tell you the last 10 cards I made them without really enthusiasm. That's why there is not that much drawing done for Master Warriors every month, like, you know, it was like I was doing, for example, the magic object. It was, you know, a lot of drawing made for the whole month, like 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Yeah, it's almost like 12 cards a month. And then starting to do those technological objects, and was not really inspired at all by those things. It took me already, you know, a few takes to understand what Sebastian wanted with those objects, because they were technically advanced stuff. So for, you know, fantasy, medieval fantasy game, it's quite not common to have those weapons, and sometimes I just didn't get it, and so I need even more time to get it. So if you don't really get what you need to draw, it's a bit tricky. So I'm happy that it's gonna be over. I'm gonna focus myself on something more fun, which would be to draw characters and stuff like that. I'm gonna have to draw the Tremor Race, presentation page of Tremor Race.
witches, the engineers, and the Draken. Draken, very exciting, because they are the dragons, dragons riders. And so I'm gonna have the opportunity to draw a cool stuff with dragons. Just need to find a good design for my dragon, because all my dragons are kind of, how can I say that? Nice looking dragons, you know, there's nothing too cool about them, and I'd like to have more like aggressive looking dragon, like Smaug, the dragon from Game of Thrones. So that's something I'm gonna work on, live stream those sketches of those dragons as well. YouTube Music. Really? You're gonna give me some ads? Are you kidding me? Découvrez des millions de chansons que vous n'avez jamais entendues, comme des DJ sets, des lives, des enregistrements studio, ainsi que des mixtapes. Okay, now all I need is more grass. I should be done. But I'm gonna put some trees there. I feel like it's missing. Thank you.
parle pas trop, hein, désolé. J'ai énormément de mal en fait à parler tout seul en fait. C'est fou ça. Je sais que si tu veux que les viewers te parlent, blablabla, bla, et qu'il y ait une espèce de dialogue qui s'échange, machin, il faut que tu parles, et comme ça quand ils arrivent, ils sont engagés dans la conversation, et te posent des questions. Mais en fait, j'y arrive pas trop. Quand je travaille, je suis dans mon truc et j'arrive pas à parler en même temps que je travaille, quoi. Ça vient pas naturellement. Je suis obligé tout à coup d'y penser et faire l'effort de me dire dis quelque chose. Et sans te parler pour rien dire, en fait. Ce que je viens de dire, les anglophones n'ont pas compris. You were saying that I have very hard time to talk to myself to make the stream more interactive or something. So the viewer is kind of engaged and wants to talk about what I'm talking about. And so the stream is more alive. But I have a very hard time to do that. Just when I draw, I just draw. If nobody is asking question or start a conversation, it's gonna be hard for me to just start one from nowhere and just so there is a lot of time where the stream is silent because of that. Because I know as well that, you know, few people watch the stream in replay. So those guys maybe wants to know what's the process, you know, of my yeah, I mean, yeah, it's the same for me. So that's why I ended up with a quite quiet stream. But I personally don't really think that, you know, you really need to talk all the way through your videos, but there's a lot of people insist to the fact that, you know, a stream must be live, where, you know, the guy that is behind the camera have to talk. So when the viewer arrives, it doesn't feel like, you know, bored. And I thought the viewer would come to see what I was doing, not what I was saying, but apparently, you know, it changed things. Well, I'm almost done anyway. I just wanted to finish that one so I can come this evening with a fresh new colored drawing, which would be the back of the card of those technical objects. I'm gonna get back to the initial logo of technical object, and not technical object, it's the logo of the technical alignment. You have two alignments you need to choose when you build up an army. You have magic and technologic.
And to do the back of the cards of the magic object, I took the logo I created for the magic alignment and I just drew it in color a little bit with more detail, with a red leather background. And I'm intended to do the same for the technical object. I'm gonna take the technical logo and I'm gonna create the back of a card with that logo that match a little bit the feeling of the magic card. Because, yeah, they are quite the same in somehow, because they do the same kind of damage, except that, you know, it looks more like technical than magic, if you see what I mean. Like, you firing, you know, fireballs because you're playing magic, or you firing a flamethrower because you're playing technology, the result will be the same. It's just the way you see your army is gonna change. That's actually what it is about. Just how you see your army in your head. You know, like some muggers can do what witch and witches and witcher can do with their technical advance object, if you see what I mean. Alright, so I think we're done with that last card. Yoo-hoo. Here we go. Alright, so I guess this is it for this morning. It was a small stream to finish that weird looking siege advice. I'll be back this evening with this colored back of the card. And that's it. Thank you for coming. Merci de passer ce matin. I'm gonna keep working on stuff that I need to do before lunch. And then I'm gonna do some shopping this afternoon. So see you then. Have a good day. Have a great day. See you this evening then. Alright, see you this evening then. And take care. We're gonna raid somebody. And that's it. See you soon. Bye.
En parlant d'imprimer, reprendre l'imprimante. Enfin, pas une imprimante, mais la cellule de l'imprimante. Ce qui vaut le prix d'une imprimante. Hein. Sur mon imprimante, ça vaut pas encore le prix de l'imprimante, tu vois. On est un peu trop haut de gamme pour que ça vaille le prix de l'imprimante, bref. Et je reçois la cellule, ma